Du beurre, voyons, du beurre. Faut faire bien, faire grand, faire savoureux. Si vous avez 2 minutes, le duc aimerait faire son commentaire. Manseron, vos cuissons étaient parfaites. Comment appelez-vous ces petits chaussons ? Le délicieux. Truffes et pommes de terre, c'est bon pour les cochons. Ils nous font pour des gorées. Excusez-vous. Manseron ! C'est vrai qu'il était cuisinier ? Tu peux pas renoncer à être enfermé ici alors qu'il y a tant de choses à vivre. Je m'appelle Louise, j'aimerais devenir votre apprenti. Tu es trop vieille pour faire un apprenti. J'ai perdu le goût de cuisiner. Apprenez-moi, et je suis sûre qu'elle reviendra. C'est un bon coin que vous avez là. Si vous donnez un peu de mal, les diligences s'arrêteront ici avant la fin de l'automne. Il faut partager cet endroit avec tout le monde. Noble, bourgeois ou paysan. Nous aurons besoin de tout l'espace pour une grande chambre à manger. Inventer un lieu de gourmandise, un lieu de bouche. D'ailleurs, je dois reconnaître que vous êtes en train de vous faire jolie réputation. On parle de votre auberge jusqu'au château. Ici, tous les clients sont ducs. Et tous les clients sont rois. Le duc envisage de vous rendre une visite d'appétit. L'important, c'est que vous n'avez plus besoin du duc de Champfort. Vous vouliez être libre de créer de nouvelles recettes ? Vous l'êtes ? Oublie Champfort et ses semblables, tu leur dois rien. Le monde est en train de changer. Il ne suffit pas d'avoir envie de manger, il faut savoir manger. C'est un art. La vraie cuisine n'est pas faite pour le commun des mortels. J'exige que vous fermiez votre gargote. Que fait le peuple ? Un jour, il s'assoira à la table. Et ce jour-là, Champfort et ses semblables finiront pendus à des potences. Je vous ferai pas.